Hey, bonjour, c'est Macha et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 16 de notre Million Challenge sur les Sims 4. Et comme vous pouvez le voir, il y aurait peut-être un petit changement dans la maison et je vais vous le présenter immédiatement dès que j'aurai quitté le mode comme ça. Voilà, donc je vais vous présenter l'étage. Il y a donc maintenant un escalier ici, au rez-de-chaussée. J'ai déplacé la porte ici du coup. Et donc ici c'est une chambre vide pour l'instant qui accueillera sans doute un Sims plus tard. Pour l'instant c'est une chambre vide. Nous avons ici la chambre de... Comment il s'appelle déjà? Je vais essayer de tête. De Nino. Et ici la chambre d'Anna. Ensuite à l'étage j'ai décidé de mettre ici Anaëlle, notre peintre. Et ici Tony. Qui est donc qui avait besoin de faire des recherches pour sa carrière, comme j'avais remarqué. Il doit corriger des copies et il doit atteindre le niveau 3 de recherche et des bases. Donc c'est ce qu'on va faire. Et enfin, la chambre de Amelia, ici. Et j'ai oublié de mettre un PC, donc je vais tout de suite en mettre un. Et je remarque aussi qu'on va peut-être avoir besoin d'un PC, on va dire, commun à tout le monde, qu'on va mettre. Ici, voilà, je viens juste de finir la maison et j'ai déjà des changements à faire. C'est génial, c'est moi, voilà, bonjour. Hop, on va vite mettre une petite... un petit bureau, écoutez, hop, on va mettre une chaise de bureau comme ça. Et on va mettre deux ordinateurs, du coup, je vais mettre des bons... Enfin, des bons PC. J'aime bien ce PC-là, je vous avoue. Donc, on va le mettre deux fois. Et puis, voilà. Donc, ça y est, la maison est terminée cette fois. Donc, j'espère qu'on aura cette salle de bain quand il y aura beaucoup de Sims, mais voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Donc, on va tout de suite reprendre. Il y a Annaëlle qui veut s'occuper des deux petits. Mission, écrire une lettre de recommandation. Ça marche. Donc, toi, tu vas aller nourrir au biberon, tu vas changer la couche et tu vas bercer. Nourrir au biberon, changer la couche. Tu peux vraiment faire ça pour ta sœur, vu comment elle s'est occupée de tes gosses, hein. Je vous rappelle qu'elle laissait que... Hop, je sais pas ce qui s'est passé, mais je m'en fiche. Que Sophia s'est occupée dans l'histoire un peu des deux petits d'Anaël quand Anaël était en prison. Hop, je lui barre juste pour voilà, pour que lui mette l'action moi-même et ensuite tu iras écrire là-haut, écrire un livre du genre poésie. Ok, toi Tony, donc qu'est-ce que tu fais? Tu fais pipi, c'est bien. Ensuite, tu vas aller. Comment on écrit une lettre de recommandation? Est-ce que c'est dit? Choisissez écrire une recommandation. Est-ce que c'est là-dedans? Carrière, éducation, écrire une lettre de recommandation. Parfait. Ensuite, visiblement, il doit faire normalement... Non, bah, c'est bon. Pardon. Ensuite, il ira faire des recherches. Résultat de retouches photo. Recherche, faire des recherches, bien écrire. Et faire des recherches bricolage. Voilà. Ensuite, toi, tu dois aller au travail. Donc, tu y vas. Et toi, tu dois y aller aussi. Vous allez au travail tous les deux. Voilà. Et vous allez tous les deux évidemment travailler dur. Je crois que j'avais oublié. Ah non, j'ai même pas. Ah oui, c'est étudier maintenant. J'étais, je crois que j'avais oublié de lui faire faire du sport. Mais non, pas du tout. Non mais. Ah oui, c'est bien ce que t'as fait. Mais moi, je voudrais que t'ailles écrire, ma petite. Donc tu vas monter, écrire. Ah zut, attendez. Ouais, elle peut pas à cause de son lit. Voilà, c'est les petits couacs du début d'un emménagement. Tu vas aller écrire un livre de poésie. Là, tu peux? Là, elle peut. C'est parfait. Donc, on a encore un bébé qui pleure. J'en ai marre. Pourquoi tu pleures, Nino? J'ai l'impression que Nino passe son temps à pleurer. Bah, écoutez, ça lui fait les cordes vocales. On s'en fiche. Voilà. Ça, c'est moi. C'est la cruauté que je peux être très cruelle des fois. Non, Annaëlle, tu t'en fiches de ton. Du petit, là, de ton neveu, tu en as marre. Allez, hop, tu vas continuer à faire de la peinture. Parce que franchement, toi, il faut vraiment que tu finisses ton... Que tu réussisses ton aspiration. Parce que nous faut des sous. Oh, j'ai vraiment claqué beaucoup, beaucoup aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui. Oui, je l'ai fait aujourd'hui du coup. Mais j'ai beaucoup vidé nos poches. Donc, il faut absolument reprendre le dessus sur nos dépenses. Non, attends, tu vas pas dormir finalement. Tu vas vendre déjà et ouais, elle commence à avoir sommeil, mais elle peut encore peindre en fait. Donc on va continuer à la faire peindre jusqu'à ce qu'elle puisse plus. Toi, tu dois écrire encore trois bons livres. Bah écoute, on va essayer d'y arriver. Ah, tu as envie de faire pipi? Eh ben écoute, tu retournes utiliser et puis ensuite, ok, tu iras te coucher. Toi, ça va, mais tu commences à avoir sommeil déjà. Mais espèce de non-dormeuse, va.
Donc, elle va continuer un peu son écriture, puis elle ira s'occuper des petits. Donc, lui changer la couche et lui changer la couche. Ça va, c'est que les couches en plus, donc on s'en fiche un peu. Ce qui est bien, c'est que lui, il va monter et sa recherche et d'autres compétences au passage. Donc, peut-être qu'on va lui découvrir quelque chose qui pourrait permettre de lui faire gagner beaucoup de sous. J'y crois pas, mais on sait jamais. Donc, il monte gentiment sa compétence pour être absolument sûr de pouvoir faire son boulot correctement quand il aura fini. Hop, elle écrit. Donc, dès que tu auras fini ça, tu seras normalement, j'espère, au bon niveau. Toi, tu rentres du travail, et eh ben écoute, tant mieux, tu vas étudier tes. Mince, je me suis trompée. Tu vas aller étudier tes adversaires. Comment t'es sur ni au niveau de tes compétences, tout va bien, donc on ne s'en occupe pas. Donc voilà, il étudie ses adversaires et il entend ses deux enfants pleurer. Donc Tira, après, non, que Nino, comme d'habitude, hein, il n'y a que Nino qui pleure de toute manière, c'est bien connu. Nino, c'est un pleurnichard. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas. On va remplacer. J'ai de la flemme! Et tu vas aller dormir. Mais tu vas dormir ici, ma petite. Maintenant, t'as changé de vie. Toi, donc, tu es gentiment en train de finir de monter ta compétence. J'espère qu'il y arrivera. Ensuite, tu iras prendre une douche et ensuite, tu iras dormir. Super. Toi, oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, je veux pas sortir ce soir. Je travaille. Enfin, j'ai des enfants et je travaille. Donc, fichez-moi la paix. Toi, tu vas aller ensuite nourrir ta fille. Bercer en espérant que ça aille mieux après et tu iras donc étudier tes adversaires. Donc du coup j'ai un peu fait exprès aussi qu'il y ait une famille en haut, une famille en bas. Je trouve ça plus sympa au niveau bah, des au niveau de l'organisation d'une maison. Puis surtout ils sont grands en haut donc c'est cool quoi. Enfin voilà. Toi donc il faut que tu ailles manger et il faut que tu prépares à manger. Donc déjà tu vas commencer par dîner, tu vas te faire des macaronis au fromage. Puis ensuite, tu iras servir le dîner et tu feras une salade capresse. Voilà. Excusez-moi, je n'ai pas lu et donc je ne savais plus comment ça s'appelait. Ensuite, visiblement, tu pues. Ouais. Donc ensuite, tu iras te doucher et ensuite, tu iras dormir. Très bien. Toi, tu fais quoi? Ok, super. Tu as besoin d'une douche. Donc tu vas aller te doucher. Et aussi de dormir. Est-ce que tu as fini d'étudier tes adversaires? Parfait. Donc ensuite, tu vas aller te coucher. Voilà. Donc là, on en a deux qui dorment. C'est cool. Est-ce que elle a fini? Elle a encore un livre à écrire? Ouais. Donc, ok. Il faudra qu'elle mange et se détende en se réveillant. Ok. Donc en te réveillant, tu iras prendre des restes et puis tu iras jouer aux jeux vidéo. Voilà. Toi, ça va? On va peut-être mettre de côté ce que tu cuisines. Il n'y a pas de truc à jeter. Si, il y a une assiette à jeter à la poubelle. Et voilà, ça fait toujours des sous en plus. Les deux bébés dorment, pleurent, pardon. Mais de quoi? Je sais pas. Enfin, si, il y en a une, c'est deux. Ok. Il y en a une, c'est la couche. Attends. Qui vient de se réveiller? C'est toi. Donc toi, tu as déjà de quoi t'occuper. Le papa, il va aller s'occuper de ses deux enfants après. Donc tu iras lui changer la couche, nourrir au biberon. Changer la couche, nourrir au biberon. Et c'est bien ce que je craignais. On n'est pas en bonne saison. Et après tu iras prendre des restes. Écoute, hop. Maman, tu t'es réveillée. D'accord. Tu préviens même pas quand tu te réveilles. C'est génial. Ensuite, tu joueras aux jeux vidéo. Tu joues aux jeux vidéo. D'accord. Tu manges. Puis ensuite, tu iras reprendre ta peinture. Tony, tu t'es réveillé, donc tu nettoies, ensuite tu vas nettoyer, enfin tu te laves les mains parce que tu dois sans doute venir te faire pipi. Puis après tu vas te. Désolé, tu vas te manger, ensuite tu vas te manger bien en regardant la télé et après on verra ce qu'on te fait faire. Donc oui, je disais, pour les plantes, le problème c'est qu'on est en période, on n'est pas en bonne saison. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite. Hop, serre. Attendez, une petite, hein. Ouais. Ça, c'est petit selon moi. Donc, ok, très bien. On va faire une. Ah, d'accord, on n'a même pas encore mis. Attendez, il faut que je le fasse et je fais ce que j'ai comme idée. Voilà, donc on va mettre ici, ici, ici. Voilà, on va remettre les escaliers comme on a de l'autre côté ici. Hop. Hop, peut-être plus petit, ça fait moins de sous. Donc, il ne coûte pas très cher. Pourquoi elle est surélevée? Bon, quitte à la surélever, autant. Voilà.
la surélever correctement. Ensuite, hop, on va copier le parquet, hop, tout là. Hop, on va fermer ici aussi. Attendez, hop là. Voilà, on va copier ici, copier, tac, 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 le mur. On va faire les fondations aussi de la même couleur. C'est ça? Non, c'est pas elle, c'est elle les fondations. Ok, super. On va mettre maintenant une porte. On est à quoi comme niveau? Ok. Donc on va mettre une porte normale, transparente. Elles sont où? Elles sont là. Ok, super, c'est pas la bonne taille. Donc est-ce qu'on peut en mettre un truc de 3? Il n'y a pas de truc de 3. Ça, ça fait 3, mais c'est... Oh, il est pas centré, j'y crois pas. Là, ça fait 4. Bon, écoutez, hop, on va resserrer d'un cran. On va resserrer d'un cran et resserrer d'un cran. Voilà, vous me voyez un peu construire. Vous voyez un peu la catastrophe que ça peut être de temps en temps. Hop, puis j'aime pas trop construire en vidéo comme ça. Donc, hihi, désolée, j'avais pas prévu... Enfin, j'ai oublié plutôt d'anticiper l'hiver. Et le fait qu'on va pas avoir de plantes si on ne met pas les plantes à l'abri. On va plutôt mettre une sorte de pelouse. Elle est là. Hop, voilà. Hop. Et on va placer toutes les plantes dedans. Donc écoutez, hop, hop, hop. Est-ce que lui il craint ou pas? Est-ce que c'est toute saison? Ouais, ok, c'est toute saison visiblement. Ou j'ai mal vu. Il a pas de saison, voilà. Donc ça c'est cool. Et les plantes, surtout elles qui rapportent gros, qui rapportent tous les jours, on va les mettre dans la serre. Voilà. Et vous, bah... Elles, on s'en fiche. Voilà. C'est surtout elles qui font des sous, donc écoutez, hop, on les place toutes. Et est-ce qu'on en planterait plus? Ouais, mais on peut pas planter à l'intérieur sans devoir... Je devrais plus les resserrer par là, comme ça on peut... Plus la serre est petite, moins elle coûte cher aussi, hein, donc... On va peut-être essayer de faire un truc pas trop cher. Hop, on en avait combien d'alignées? Je sais plus. Donc écoutez, hop, on va commencer comme ça. Je suis désolée, hein, c'est un peu long, mais bon, on s'en fiche, il faut bien... Il faut faire des sous, il faut faire des sous. Voilà, c'est la complainte des sous. Donc on en avait 10 d'alignées, hop. Allez, on a presque fini de tout placer correctement. Elle est sombre cette serre pour l'instant. Hop là, donc on va resserrer, hop, 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 ça fait quand même des sous en moins dépensés. Et ben aujourd'hui ce sera la dépense des sous, hein. Ouh là là, hop là, et tac, 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 hop, on va juste, ah, on va juste déplacer là comme ça, tac, ensuite on va mettre ici, il est où? Il est, non c'est pas celui-là, c'est celui-là, voilà, comme ça, et donc au-dessus on va... déjà supprimer le toit ici et là on va mettre un toit comme n'importe, hein, ceci par exemple, hop, tchouk, qu'on agrandit au maximum. On va empêcher le... mince, on va empêcher que ça dépasse comme ceci ou comme ceci. On va donc prendre quand même, voilà, la couleur, on va le réduire au maximum et voilà. Et on va le rendre transparent. On va le mettre comme ça. Voilà, je préfère. Et donc, on a une petite serre. Et voilà! Donc, pour mettre les plantes à l'abri. Tout ça pour ça. Hop, je remets, voilà, les murs en moyen, enfin, en moyen ouvert. Toi, tu joues aux jeux vidéo. C'est super. Donc, maintenant que tu as fini de jouer aux jeux vidéo, tu vas reprendre l'écriture, s'il te plaît. Toi, tu peins. Et tu joues sur ton portable, c'est génial. Toi, tu t'occupes de ta marmaille, c'est bien aussi. Et ensuite, tu vas manger. Toi, donc, Tony, quand tu auras fini de manger, il faut encore que tu montes ta compétence dégâts, j'allais dire, des bas. Donc, tu vas écrire, tu vas faire des recherches sur le bricolage, la cuisine. Bref, tu vas faire des recherches un peu partout, écoute, pour te monter tes compétences. Voilà. Toi, donc t'as mangé, t'as regardé tes adversaires, t'as besoin d'aller faire pipi, donc t'iras faire pipi. T'as pas besoin de faire du sport actuellement, ni de monter ton charisme, donc tu iras utiliser... Enfin, pêcher, pardon. Ouh là là. Toi, tu commences à gagner des sous, hein, avec... c'est bien, avec tes études. Donc, qu'est-ce qu'ils ont, les bébés? Elle a besoin de quoi? Parce que, enfin, je croyais les avoir nourris, hein. Non mais, maman! C'est pas maman, c'est Anaël, donc sœurette! Oh là là, je suis perdue avec la famille.
Voilà, c'est bien, tu t'occupes enfin de ton enfant. Tu vas l'allaiter parce que visiblement elle meurt de faim. Voilà, ensuite tu vas te préparer ton petit... Enfin un petit... Non, non, non. Toast et œuf. Elle aime pas les œufs. Tu vas faire une petite salade de fruits, ça fait longtemps. Voilà. Hop, le temps. Hop, 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 hop. Anaël, Anaël. Ah, tu as besoin de faire pipi. Bon, pas de soucis. Tu vas faire pipi. Puis ensuite, tu vas remonter et tu vas continuer à travailler. Ouf, toi, tu écris, c'est bien. Il y a encore un bébé qui pleure. Je sais pas pourquoi, mais il pleure. Alors, qu'est-ce qui est raciste cette fois-ci? C'est toi. Hop, ensuite, on va vendre ceci et ceci. Il y a encore des trucs racistes, visiblement. Enfin, gâtés. Non. Ah, c'est ça. Donc, hop, on a encore... Non, c'est bon, cette fois-ci. Hop, là, niveau 3 pour les recherches et débats pour Tony, ça, c'est cool. Toi, tu manges. Ensuite, tu vas aller allaiter ton fils. Et ensuite, tu iras... Donc là, elles sont considérées comme à l'abri, c'est bon? Ouais. Bon, du coup, elles n'ont pas trop besoin d'utilité. Toi, elle va bien. On va peut-être... On va pas faire... Non, on va rien faire. Écoutez, on va aller pêcher, surtout. Voilà, voilà. Donc, je suis un peu déçue, enfin, pour l'automne, parce que du fait qu'on va perdre des sous pendant quelques temps, le temps que les plantes repoussent. Et ça, c'est un peu dommage. Mais c'est comme ça. Donc, elle va vendre à un éditeur et elle va encore faire des livres. Et là, ce sera un scénario. Lui fait des recherches, c'est cool. Elle peint, c'est bien. Hop. Et ils gagnent tous des compétences, donc ça, c'est cool. Ouais, tu vas faire ça, écoute. Je m'en fiche un peu des titres, hein, on le sait. Vous me connaissez, j'essaye de gagner des sous pour l'instant. Donc, toi, t'as bientôt fini? Allez, dépêche-toi, dis-moi. Ouais, ça y est. Tu vas vendre. Et tu vas refaire des toiles classiques parce qu'elle fait aucun chef-d'œuvre depuis qu'elle fait des toiles réalistes. Donc, je trouve ça très triste. C'est l'anniversaire de Nino, que le temps passe vite. Ah, c'est l'anniversaire des petits. Ah, écoutez, déjà alors, tu vas aller faire pipi. Hop, c'est déjà l'anniversaire des petits. Ah oui, que le temps passe vite quand il dit ça. Moi, je dis, là, je suis en train de me dire, ouais, là, le temps passe vraiment très vite. Parce que pour moi, ils sont nés il y a 2 minutes, quoi. Enfin, je sais pas, ils sont nés il y a pas si longtemps, si. Est-ce qu'il montre bien sa compétence et sa compétence recherche et débat? Ouais, ça, c'est cool. C'est parfait. C'est quoi, se préparer à débattre? Non, on s'en fiche un peu pour l'instant. Tu vas continuer à faire des recherches. Recherche et débat, écoute. Hop là. Voilà, comme ça, il montre bien ses niveaux. Toi, t'écris et t'as envie de faire pipi maintenant. Donc, écoute. Tu finis ce que tu tiens et tu iras faire pipi. Anaël, je veux pas te voir en bas pour l'instant. Je voudrais déjà que tu vendes ta toile. Ok. Et ensuite, elle a faim, mais ça peut tenir encore un peu. Donc, on va continuer à peindre. Et là, elle est à 136. Oh là, j'ai envie qu'elle soit plus. On n'a pas toujours ce qu'on veut, c'est ça? Hop, tu vas travailler dur. Les autres... Mais il fait que pleurer. Tu peux pas arrêter de pleurer, toi? Ok, gain de performance petite. J'ai même pas lu, je suis désolée. Je voulais savoir ce qui se passait à côté. Et voilà. Donc, tu vas continuer à écrire, ma petite Amélia, parce qu'on a besoin de sous. Et ensuite, comme tu as été très sage, tu pourras aller manger. Quoi, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que je t'ai dit à un moment de descendre? Anaël n'en fait qu'à sa tête. Non, tu nettoies pas, mais par contre, tu vas aller réparer. Parce qu'on va un peu économiser les sous. Ah, parfait, Amélia. C'est très bien ce que tu as fait. Ensuite, tu iras vendre à l'éditeur. Voilà. Anaël, tu nettoies. C'est très bien. Ensuite, tu retourneras... hop, tu vas vendre ta toile et tu retourneras peindre. Toi, pour l'instant, tu vas plutôt bien. Donc, on se soucie pas de comment ça va. Super. Donc, Amélia va pas très 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 bien. Elle ira ensuite prendre une douche. Et elle jouera un peu aux jeux vidéo. Voilà. Elle est occupée. Lui, il est occupé. Et elle, on la surveille un peu. Les bébés, arrête pas de pleurer. Il y en a marre. Mais bon, c'est pas grave. Le papa va bientôt rentrer. Hein? Vous inquiétez pas, les enfants. Papa rentre. Papa arrive.
Et ça va être une catastrophe d'avoir deux bambins à la maison pour une bonne et simple raison, c'est que ils servent à rien. On se rappelle de Amélia quand elle était bébé, elle n'a servi à rien. Elle ferait certes des belles sculptures, mais elle servait à rien d'autre. Pas d'argent, pas d'intérêt. Voilà, hein, je le rappelle, c'était dans un commentaire quand la petite était bébé. Voilà. Là 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 là. Alors, toi, t'es de retour. Tu vas aller changer la couche. Nourrir. Bercer. Hop. Et tu iras nourrir aussi. Et ensuite, alors. Papa, tu as besoin de t'occuper de tes enfants. On les laissera grandir tout seul. Hein. Moins vite ils grandiront et mieux ce sera. Tu vas après. Ensuite, prends une douche. Utiliser les toilettes. On va lui faire manger quelque chose. Il a une promotion, il est parfait ce papa, parfait. Il n'a pas besoin encore de compétences, donc il fait gagner des sous à la communauté. C'est très très bien. Et après, tu étudieras tes adversaires. Où est maman? Non mais, attendez, je rêve, elle est en train de s'occuper toute seule. Tu fais au moins un minimum d'effort, tu finis ta toile. Ensuite, tu iras jouer aux jeux vidéo. Parfait, en plus un chef d'œuvre. Ah bah pour une fois qu'elle bosse. Ensuite, elle aura besoin aussi d'une douche. Elle ira remplacer... Enfin, on a remplacé. Elle ira prendre une douche utilisée. Elle fera prendre des restes et elle ira dormir. Parfait. Papa, il est occupé. Les bébés, j'en ai marre de les entendre pleurer. On s'en occupe pas. Tant qu'il pleut, tant qu'ils ont pas une grande nécessité. Bon, ok. On va s'en occuper peut-être avec lui parce que Tony a très bien bossé aujourd'hui. Mine de rien, il a augmenté... il a bien augmenté ce qu'il fallait. Toi, tu vas aller regarder la chaîne actuelle parce que tu es très tendu. Et tu n'as pas eu de promotion. C'est pas bien ça. Pourquoi tu n'as pas eu de promotion? Hein? T'étais presque. Tu fais pipi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Anna? Pourquoi tu pleures, toi aussi? Attendez, vous venez de manger, les enfants. Toi, tu fais quoi? Ok, vous allez discuter un peu tous les deux. Et toi, ça te permet de... Ok, on va voir qu'est-ce que la petite a comme problème. Ensuite, toi, tu iras prendre des restes. Et tu iras regarder la chaîne actuelle aussi. Mais dis-moi, mais c'est pas vrai. Pourquoi il pleure, lui? La couche. Ouh, que ça m'énerve. Bon, écoute, hop, tu vas arrêter. Tu vas aller changer la couche. Ensuite, tu iras dîner. Qu'est-ce que tu pourrais manger, toi, aujourd'hui? C'est quoi? Carpe de vase. C'est bizarre. Tu iras prendre une salade. Voilà, une salade. Et ensuite, tu iras... Non, mais... Oh, tu peux pas manger quelque chose? Cuisiner? Bon, écoutez, hop, on va au plus bas. Pas une omelette parce qu'elle est végétarienne. Un crumble. Et écoutez, elle va faire un crumble. Qu'est-ce qu'elle a? Ah, non, mais... Oh! Quand c'est pas là, c'est l'autre. C'est pas possible, ça. Tu iras changer la couche et tu iras te coucher parce que tu travailles quand même demain matin. Hein. Annaëlle, tu vas peut-être arrêter ce que tu fais. On n'en a qu'une au lit hein, pour l'instant. C'est bien. Allez, vendre oui à une galerie d'art. J'aimerais bien que toi, tu arrêtes, que tu finisses de manger. Super, tu vas arrêter de papoter. Et tu vas aller... Voilà, toi, tu vas aller faire pipi, parce que je vois que t'en as besoin, et je voudrais que tu cuisines encore, parce que, bah, c'est pas que t'as besoin, mais c'est-à-dire que si. Hop, végétarien pour le groupe, voilà. Et on a vu qu'il y avait encore quelque chose de gâté, qu'est-ce que c'est cette fois? Tac, tac, tac. Non, toujours pas. Et bon, on va le... Ah, bah c'est un plat fini. Très bien. Voilà. Donc, jour des compétences, ok. Lui, est-ce qu'il a fini d'étudier ses adversaires? Non. Donc, on attend encore un peu. On va vendre ce qu'il a dans son inventaire. Et ben, dis-toi qu'il y a du boulot. Et on n'arrivera jamais... Je voulais donner comme objectif, là, presque 200 000 simflous, mais on les aura pas. Et l'arbre, il en est où? Il n'a pas poussé encore. Quand est-ce qu'il va grandir? Et les plantes, elles en sont ouf. Bon, elles poussent, c'est déjà ça. Alors, ensuite, étudier. Allez, dis-moi que t'as bientôt fini. T'étudies bien, on est d'accord, oui. Annaëlle, t'es prête pour aller te coucher, c'est bon. Sophia, tu cuisines encore un peu, puis après tu iras dormir. Le travail est dans une heure. Ah,
Elle a fait nuit blanche. Bon, écoute, tu vas plutôt aller prendre des restes. Ah bah non, tu vas travailler. Allez, va travailler, tu dormiras en rentrant. En rentrant, elle ira se coucher. Il n'y a plus que toi qui est réveillée. C'est parfait. Et tes bébés. Bon, c'est pas grave, ça fait du bien, là. 2 minutes de pause avant le travail. Ah, toi, tu travailles dans 1 heure. Bah écoutez, travailler à la maison. Je savais pas qu'on pouvait travailler à la maison. Il va se lever, puisque c'est l'heure du travail. Lettre de comment est demandé de faire du bénévolat. Ok, alors. Tu vas prendre des restes. Parce que voilà, il bosse, donc on va le faire travailler à la maison. Il va. C'est bien, hein? Les profs, ils vont pas créer. Les professeurs, il va pas travailler. Carrière, écrire, donner un cours, enfin, créer. Ok. Et comment demander de faire. Cliquez sur un autre sim si tu essaies. Recherche de débat. Charisme. Et votre relation. Ok. Donc après, il faudra en parler pour faire du bénévolat. Mais écoutez, il demandera ça à Naël. Et on va voir si ça marchera. Voilà. Donc toi, tu fais pipi. Enfin, tu fais pipi. Tu vas. Alors, il y en a une qui est au lycée. Il y en a une qui travaille. Et lui, il fait une lettre de recommandation. Ok. Alors, les tourtereaux. Je vais les appeler comme ça maintenant. Ah, toi, t'es rentré. Bon, tu vas te coucher. T'es épuisé. Est-ce qu'il y en a un qui est moins fatigué que l'autre? Ouais, c'est toi quand même. Donc tu vas allaiter, allaiter, bercer, hop, et ensuite allaiter, bercer. Voilà. Toi, qu'est-ce qu'il y a? Inacceptable, nanana, on s'en fiche un peu. Toi, tu vas prendre des restes, puis tu iras ranger, et comme tu vas plutôt bien, ensuite tu iras aller pêcher. Voilà. Toi, comme les bébés iront bien, on y croit. Tu iras arroser, tu iras tout désherber et tu vas regarder à l'intérieur s'il y a besoin. Tu vas tout arroser ce qu'il y a à l'intérieur et tu vas regarder comment va l'arbre. Il va bien. Ok. Donc toi, tu travailles pour l'instant, c'est bien. Voilà. Aïe, pardon, je me suis tapée. La violence dans les vidéos. Bonjour. Et oups, ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble. Bah écoutez, on va peut-être se laisser sur ça. Hein. Sur. Je sais sur quoi on va se laisser. On va se laisser sur ce qui a bercé notre vidéo, c'est-à-dire un bébé qui pleure. Écoutez, c'est sur ce qu'on va se laisser. J'espère que l'épisode vous aura plu et que vous trouvez qu'on avance assez bien dans la famille. Je ne sais pas du tout si ça avance vite, mais en tout cas, ça avance. Et on se retrouve. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire et même abonnez-vous. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!